Salut à tous, c'est la salle. Donc aujourd'hui, je vais faire une présentation des tracteurs. Donc tout simplement, j'ai regardé tout et j'ai fait un classement. Donc ici, on a le tracteur le plus petit de la marque et ici, les tracteurs les plus gros de la marque. Donc on va commencer avec le Fiat. Donc le Fiat 1300 DT. Voilà le petit Fiat que vous connaissez. Ensuite, le Valtra A104. Donc j'ai laissé les couleurs de base, hein, j'ai rien changé. Le Fendt 511. Donc voilà. Le Stara ST Max 105. Le Newland T5 100. Alors cette marque, j'arrive pas à la prononcer. Le Linder je crois qu'en 90. Et du coup je crois que c'est sur celui-là. Oui, celui-là il a une particularité que les roues arrière tournent aussi. Voilà. Ensuite, le petit Massey Ferguson 5610. Le Amarok 1104. Voilà. Oups. Ensuite, le Cab IA 710. Là, j'ai eu un petit Ensuite, le Ster Profi SVT 4115. Du coup, hein. Le John Deere 6135M. Le JCB Fast Track 4220. Il a de la gueule, hein. Et le Dodge Spar 9290 qui est aussi une belle, c'est aussi une belle bête, mais en fait le problème c'est qu'il y en a qu'un. Donc du coup celui-là vous allez le retrouver aussi chez les gros. Donc maintenant on va passer au plus gros de la marque. Donc là on va faire un petit débriefing encore. Donc j'ai tout, j'ai Fiat, Valtra, Fendt, Stara, Newland, je sais pas quoi, Massey Ferguson, Matroy, Kébéfora, Kaz, Jandir, JCB, voilà. Donc ici, c'est pareil, donc on a Fiat, le truc à Matroy. On a de nouveau le Fiat, parce que c'est le seul qu'il y a. On a de nouveau le Linder, parce que c'est le seul qu'il y a. On a de nouveau la Matrax, parce que c'est le seul qu'il y a. Donc on a encore un star, mais c'est pas le même, parce que celui-ci c'est le 180. On a le Ster, mais c'est pas le même du coup, bien sûr. Là, la population, c'est plus aucun des mêmes. Donc celui-là, c'est encore... Donc la fin, il est un peu encore pire. Donc le Dodge Spar, voilà, c'est beau. Donc c'est Ferguson, c'est encore pourri. Mais... En fait, je comprends pas pour des grosses bêtes comme ça, le klaxon doit être comme ça. Beaucoup plus aigu quoi, beaucoup plus grave. Le Valtra, par contre le JCB il a une de ses gueules à l'avant, c'est un peu bien. Alors le John Deere laisse tomber, hein. Le John Deere, mais bon, les John Deere ils sont beaux,
cases sympathiques et on finit par le fun donc le plus gros. Donc tout simplement on prend le plus gros de la marque. Le plus gros de la marque fun. Et le plus gros craquement du jeu. Et ça marche pas comme ça. Et le plus petit de la marque. Et le plus petit du jeu. Allez, dans le jeu les gars, j'ai pris celui-là. Lui. Et je vais prendre lui en deuxième, mais j'ai pas envie de donner à lui à tous les trucs comme ça. Attention, vous parlez les deux, et alors perso me choisirait celui-là. J'espère que la petite présentation vous aura plu. Et voilà, j'aurais pu faire un truc beaucoup plus approfondi sur les tracteurs, mais moi j'avais pas trop envie. Donc voilà. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, ça fait plaisir, parce que là, plus facile parce que j'ai dépassé la capacité de je pense vidéo vous aura plu. Voilà, ça me fait ça. Les emplacements des zones sont indiqués. C'est la zone qui a en rouge en haut à côté de l'arbre. Maintenant je vais m'amuser à vendre tout ça et puis ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je me suis lâché comme on a dit, et puis voilà, donc c'est tout pour cette vidéo.